bon, vraiment, ni parmi ma président, balé balé à ma fouille. Parce que mon ma période il est beau par quoi ma président. En tout cas, quand ma refiga mon point à réaliser que mon anisha équipe. Ma moyen moi il quoi qui loco, mais mon ma idée na ma intelligence y a beau et fika mon point à quoi comme équipe bantu beauté fashi moi. En tout cas, ni président moi vraiment. Et qu'on a Matunda. C'est pour ça qu'on a un grand joueur, un ancien joueur, balé par tout en Mouria, chier Benyé, ton Agouya, chier ton Avala Léo Varez, ni signe à Moncha que vraiment, en tout cas, ton a pas très les regrets en tout ça. En tout cas, si moi, je suis devenu président d'une entité, c'est grâce à cet homme-là. C'est un baobab sportif, en toi qui nous quitte. Moi, j'ai commencé à jouer au football en 74. C'est lui qui m'avait fait entrer chez l'Espanda. Et après, il m'a dit Espanda pour aller chez Pilleri. Et de Pilleri, favorita. Alors, c'est lui qui me donnait toujours des conseils pour être plus grand. Alors, je suis devenu grand à cause de lui. En tout cas. Moi, je m'appelle Paul Kaboba Moutonkolé. Je suis le cinquième fils de papa Kaboba Tiré. Il avait créé ce qu'on appelle Abaja, l'association des Balouba de Jadoville. Alors, Jason Sendoué, qui était son ami, était venu le voir à la maison. Il lui avait dit, pourquoi est-ce que tu restreins en disant association des Balouba de Jadoville? Il y a, les Balouba sont partout. Et Jason Sendoué a donné le nom de Balouba 4. Sur une idée de Paul Kaboba. Paul Kaboba est aussi celui qui a réuni ce qu'on appelle la famille Kikonja. Il a créé ce qu'on appelle Faki, famille Kikonja. Il est l'initiateur. Et aujourd'hui, plusieurs groupements de Balouba 4 ont leur propre cercle culturel de cette manière-là. C'est un grand sportif. Il a joué dans Zaveriana comme gardien de but. Il a été président de Pilleri. Il a été président de l'Union Sportive Panda, avec qui il a eu d'énormes succès. C'est l'un des tout premiers à avoir engagé un entraîneur blanc à l'époque, dans les années 70, M. Guerrero, avec lequel il a gagné plusieurs coupes. Il a même joué une finale de la Coupe du Congo. Il y a plusieurs qui l'ont suivi. Moi-même, je l'ai suivi. Je peux vous dire que je suis le premier et le seul Congolais à avoir été chef d'antenne de Radio Okapi. J'ai dirigé Radio Okapi Katanga pendant plusieurs années. Après moi, avant moi, il n'y a eu aucun Congolais qui a atteint cette fonction-là. J'ai eu aussi l'honneur d'être chargé des grandes opérations spéciales de la Radio Okapi. Après moi, personne n'a fait cela. Ces postes sont restés vacants jusqu'à ce jour. Il a d'autres enfants qui sont dans des services que nous n'avons pas cités ici. Il a des fils dans l'armée,